Bonjour à tous les Breakers et bienvenue sur TGS Rockstar Club pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 PC avec un mode menu pour faire spawn les futurs véhicules du DLC. Le contrat, je vais y arriver. Donc, on avait déjà fait pas mal de véhicules, que ce soit sur PC ou même sur GTA Online. Pour rappel, ces 4 véhicules actuellement devant vous sont déjà disponibles sur la chaîne en vidéo. Je vous mettrai le lien de chaque véhicule dans la description. Donc si vous les avez pas vus, que ça vous intéresse de voir leur custom, n'hésitez pas à aller dans la description, ils y seront. Il nous restera donc 3 véhicules pour les prochaines vidéos, donc ça va tomber incessamment sous peu. On verra d'ici jeudi quel véhicule va sortir. Je pense que ça sera la comète, vu qu'on a eu le motif de la comète S2 récemment. Mais on verra bien. On attaque donc cette vidéo avec la Nagasaki Shinobi, qui sera donc au cœur de cette vidéo custom et présentation, et test bien évidemment. Aujourd'hui, donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de moto, hein, mine de rien, sur GTA Online. Donc dans ce DLC, ils nous ont préparé 2 motos, donc cette Nagasaki Shinobi, et puis la River, de l'autre côté là-bas, qu'on s'occupera prochainement. Donc cette moto, il faut savoir qu'elle sera probablement disponible à legendarymotorsport.net, à un prix de 2 480 000 GTA dollars, donc c'est quand même pas donné. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors après, je vais pas faire le connaisseur, honnêtement. Je m'y connais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins sans moto. Donc voilà quoi, on va faire le tour. Mais bon, c'est une moto, donc on va avoir vite fait le tour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est super bien réalisée. Les détails sont bien foutus. Non, franchement, elle est propre. Je pense même, honnêtement, je trouve que c'est la plus belle moto qu'on va avoir sur GTA Online. C'est pour moi l'une des plus belles en tout cas. Mais elle est très très charismatique avec son carénage de sportive là. Vraiment, ça me rappelle un peu moi, ma moto que j'avais à l'époque, mon 50 Yamaha TZR, que j'avais en bleu comme ça, avec un motif blanc sur les côtés. Ça faisait vraiment trop... c'était une tuerie, quoi. Donc voilà. Mais écoutez, je vais pas dire on va ouvrir les portes parce qu'on verra pas grand-chose, parce qu'il y a rien à ouvrir, donc on va monter, puis on va se retrouver au custom. Hein. OLS custom, c'est parti. Bon alors déjà petit coup de gueule, je trouve que c'est dommage que pour une moto aussi, je pense qu'elle est plus ou moins récente quand même, vu le carénage et tout ça, vu les phares aussi, d'avoir un compteur à aiguille quoi. Je pensais qu'il y aurait plutôt un compteur numérique là-dessus, mais bon, voilà, c'est juste mon avis, après chacun voit midi à sa porte. Carrosserie, carénage couleur 1. Carénage de circuit. Ah ben, ça modifie que l'arrière, c'est un peu con ça. Arrière carbone. Ah voilà, intéressant. On va essayer comme ça.
frein, super frein, moteur niveau 4, échappement de série, double, échappement de rechange, rechange x2, échappement carbone x2. Je trouve que deux pots ça fait un peu bizarre. Alors on va mettre celui-ci, mais putain il est gros celui-là. Carénage couleur 2. Ah voilà. GT circuit. On voit pas trop la diff là. GT carbone. Ah on peut la mettre full carbone hein, quand même. Mais on va pas la mettre full carbone. On va la mettre juste en... en GT circuit comme ça. Garde-boue avant. Couleur 2. De circuit. Ok, avec le petit bout de carénage en plus. Ah non, même pas. Ah, il est juste un petit peu plus différent. Ok. Ouais, c'est juste la couleur en fait. En carbone. Ouais, à la limite. Réservoir. Ah, quand même, il y a un peu plus de custom, la couleur 2. Circuit. Ah, attendez, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. On va recommencer. Je vais juste changer la couleur secondaire parce que. On voit rien, donc c'est pas. Y a aucun intérêt, quoi. Voilà, ok, donc ça peut permettre de faire comme ça. Tac. Tac, ok. Un debout avant, voilà. Donc c'est soit vous avez tac, tac, ou tac. Ouais, on va faire comme ça du coup. Réservoir couleur 2. Circuit. Carbone. Ouais, on va mettre. Ouais, on va mettre. Comme ça. Éclairage phare au xénon, bien évidemment. Bon, j'espère que ça s'en trompe pas, je sais pas ce qui se passe, j'ai mon casque qui crépite. C'est la première fois que ça me fait ça, c'est assez bizarre, j'espère que ça s'en trompe pas dans le son. Transmission, compétition, turbo, avec. Le roue, type de roue, roue avant. Ah, bah ça c'est cool! Alors d'origine elles sont comme ça. Ah j'aime bien celle-là. Ouais. On va mettre celle-là. Warrior. Voilà. Pneu. Apparence des pneus. Ok, bon, on peut le mettre à la limite. Amélioration des pneus, bon, je le mets, mais on s'en fout. Fumer des pneus, je m'en tape. Du coup, il nous reste quoi? Attends, on va juste re-regarder du coup. Voilà, donc du coup, ça donne comme ça. Voilà. Et puis le reste, on a vu déjà. Alors, il reste la peinture et le motif. On va commencer par le motif. Pilote Nagasaki. Shinobi, ok. Donc ça vous colore toute une partie de la moto. Ico Shinobi S2C Nagasaki. Oh, il est joli celui-là. Course atomique. Ah, il est sympa lui aussi en bleu comme ça. Russan. Ok. Nagasaki gris. Pas mal avec le petit liseré blanc à l'arrière, comme ça j'aime beaucoup. Junk alternatif. Shinobi Art Stand. Pas mal aussi. Princesse Bubblegum, ouais ok. Camouflage de chasse.
C'est étrange sur une moto, je trouve, mais bon, pourquoi pas. Ok. Et peinture 1100. Ah, il est stylé celui-là. Ça fait un peu. Bah ouais, ça fait course de. Un peu dans les. Comme les courses de moto là. Les GP de moto, il y a des peintures un petit peu dans ce style-là, il me semble. Je veux pas dire de conneries, je m'y connais pas assez, mais. Ok, celui-là il est sympa aussi. Mais je vais plus partir. J'aime bien celui-là. Ok, peinture alors. Du coup. On met un peu toutes les couleurs, mais. Ok, et secondaire, du coup, ça change quoi? Ah, ça change pas grand-chose, hein. Non, on va essayer de mettre bleu. Ok. Et on va revoir les motifs un peu. Ouais, bon allez, on va laisser comme ça. Allez, on a fini. Allez, on descend de cette moto. Et on va attendre qu'il enlève son casque, ça sera mieux. Voilà, on voit plus clair. Et donc voici la Nagasaki Shinobi full custom, si on peut dire. Bon, bah voilà, hein, c'est custom d'une moto. Hein. On peut pas y faire énormément de choses. Mais voilà, je trouve que les motifs, par contre, sont vraiment sympas. J'ai pas beaucoup de motos, je crois que j'en ai qu'une ou deux dans mes garages, et je crois que celle-ci sera la troisième, honnêtement. Parce que j'aime beaucoup son design, son style. Voilà, son carénage, c'est vraiment le style de moto que j'aime beaucoup. Et puis là, ouais, j'aime bien le design, quoi. J'aime bien le motif aussi. Je trouve que c'est pas mal, quoi. Voilà, vous direz ce que vous en pensez en commentaire, hein, de tous ces motifs. Et de cette moto, et puis voilà. On a fait le tour au niveau des customs, donc je vais prendre la moto et puis on va faire un tour comme d'hab et on se retrouve au point de départ. C'est parti.
Voilà les Bricards, on a donc terminé avec la présentation, customisation et test de cette Nagasaki Shinobi. Bah écoutez, pour une moto, elle avance plutôt pas mal. Je m'attendais un peu plus que 144 mph, surtout que j'étais en roue arrière en plus, donc en vitesse de pointe sans faire de roue arrière, on est à quand même 125, c'est pas énorme en mph. Bon, c'est quand même beaucoup, mais bon, c'est pas non plus un truc de dingue pour une moto, pour une 1100, je trouve, mais bon, après, c'est comme ça. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez en commentaire, à lâcher le pouce du soutien si cette vidéo vous a... N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour pas rater les prochaines vidéos, présentations custom et tests de véhicules pour les 3 prochains qui sont là. Et puis, pour les autres vidéos, que ce soit sur GTA Online ou GTA 5 ou encore sur le DLC en lui-même, bien évidemment. Encore merci à tous de votre soutien. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, tous les liens sont dans la description. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo sur TGS Rockstar Club. Ciao.